La jeunesse est descendue dans la rue, elle demande quoi, cette jeunesse? Mais le maître mot, c'était d'abord libérer Sonko. Vous l'avez tous entendu. Mais ensuite, ils ont compris les enjeux qui dépassent le dossier de Sonko. Ils ont compris que c'est leur démocratie qui est en danger. Ils ont compris que c'est leur liberté et leurs droits qui sont en danger. Mais ils ont compris que c'est une confiscation du pouvoir à vie par Macky Sall qui était en jeu. Et c'est pourquoi cette jeunesse est sortie pour dire non. On a vu des supermarchés français comme Auchan saccagés, pillés. C'est quoi le message politique derrière? Le message, contrairement à ce que beaucoup d'autres ont pensé, est un message d'abord national, destiné à Macky Sall avant d'être destiné à la France. C'est un message national parce que ça traduit l'échec de la politique économique et sociale de Macky Sall. Ceux qui sont allés piller des magasins, c'est des gens qui ont faim, c'est des gens qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Nous ne vivons pas un sentiment anti-français. Il faut que les choses soient très claires. Vous avez été libéré lundi soir, vous avez immédiatement appelé au calme. Est-ce que vous avez été entendu? J'ai appelé à la cessation des violences, mais à maintenir la mobilisation. C'est deux choses différentes. Nous continuons la mobilisation massive, pacifique. Merci. Mais c'est moi.